Salut Zoro, bienvenue, installe-toi confortablement. Qu'est-ce qu'il y a? Y aurait-il un bug, quelque chose? Y a pas de coupure là. Y a pas de coupure les gars. Moi là je suis au top. Moi ça marche, hein, y a zéro fluctuation, zéro perte d'image. Là on est à un niveau zéro de la perte d'image. Juste je bois un petit café, histoire d'être tranquille. À quand un stream sans coupure? Eh bien peut-être à partir de ce soir. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Les pirates régnaient sur les... Donc, on va relancer la partie. Mais le royaume de Varuna. On va relancer la partie. J'avais fait la petite save state pour reprendre pile. Allez, on s'est arrêté cet après-midi. Voilà, on était là. On en était là. On va virer la pause. Voilà. On a viré la pause. Je regarde vite fait. Damn, I'm good. Et merci pour le Zoro, des bisous. Je regarde vite fait le... Comment ? Non, je suis désolé parce que j'ai passé une petite demi-heure. D'ailleurs, je remercie énormément Milouzer83. C'est ça, mais c'est Milouzer, je sais plus. Enfin, il se reconnaîtra. Milouzer, qui a pointé du doigt, à mon avis, le problème, qui comme d'habitude est un problème à la con, qui est un problème extrêmement mineur auquel on ne pense pas. Donc forcément, on va chercher partout les problèmes, alors qu'en fait, il est juste là. Il est là. C'est... c'est le petit truc juste là, tu vois. Voilà, fous-moi ça en l'air. Ça, c'est bon. Donc on va voir. On va voir si c'est ça. Ce soir, on va avoir, bien évidemment, la réponse à toutes nos questions. Toi, mets-toi là. Voilà, toi, comme ceci. Petit T de l'amour. Petit T de l'espoir. Évidemment, l'espoir. Voilà, 1083. Merci du follow, tu contribues à rendre un monde meilleur. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Si jamais le stream, à partir d'aujourd'hui, il est exquis, si jamais ce stream, voilà, c'est le stream de la volupté, de la félicité, ce sera grâce à 1000. Bon, pas qu'à 1000, parce que d'autres ont pointé d'autres petits soucis. En fait, c'était juste une corrélation, tu vois, un amalgame de petits soucis qui faisait que c'était vraiment la merde. Il y a un truc gênant à côté de la tête. Comment ça? Ben c'est parce qu'après je me recule. Donc quand je suis reculé, ça passe. Beaucoup mieux. Ça passe crème. Crème de jour, crème de nuit. Attention. Here comes a new challenger! That's good. Ok, donc on va jouer, ça va être beau. J'espère très honnêtement que ce sera le dernier stream de ma vie où je vais passer mon temps à regarder toutes les 30 secondes. Ah, ils sont pas bien les gros gifs. Mais je les mets là pour que vous vous habituiez. Ça, c'est mal dit. Hein. C'est tellement mal dit, mes douceurs. Je les ai mis là pour vous habituer doucement. Et ensuite, je vais investir dans un petit fond vert. Comme ça, en fait, je serai devant tout ça. Tout ça, ce sera derrière. Je serai vraiment devant. Et pour l'instant, on va le faire comme ça parce que c'est drôle. Ou alors, attends. Magie du spectacle. On va se faire un mode level 1. On va se faire une soirée level 1. Salut, c'est Marcus. Attention, bougez pas. Ah merde, il y a peut-être un peu trop. Ah non, il y a trop de lumière. Trop d'écran, trop de lumière. On ne pourra pas, malheureusement. À moins que. Si vous avez 2 minutes. J'installe un drap dégueulasse et on se fait un mode level 1. Attention. Mais là ça va faire mal aux yeux. Ça va faire beaucoup beaucoup mal aux yeux. Mais on va le tenter. Ça peut être sympa, comme ça vous allez me donner votre avis et ensuite on joue. Salut Frankie Fix, bienvenue. Installe-toi confortablement. Ça arrive. On fait juste un truc complètement débile et après ça joue. Laissez tomber, on fera ça plus tard. On fera ça. Je préparerai ça pour demain.
Je ferai ça pour demain, parce que là, faut que je cherche les punaises, ça va être n'importe quoi. On va perdre un temps fou, vous allez me détester 6 fois avant que je n'ai eu le temps de toucher le sol. Et ça, c'est pas bon. Oh non, c'est pas bon. Normalement, j'avais déjà glissé. J'ai mis les petites punaises au cas où. Je ne les vois pas. On joue. On joue, les gars, on est là pour jouer. C'est le marathon, on n'est pas là non plus pour se mettre en mode beau gosse et demi. On s'en fout de ça. Voilà, moi, quand je suis installé là, ça passe. Ça passe. Alors. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, toi viens. Toi viens. Non, pas toi. Voilà, toi, voilà, très bien. Et on lance le timer et on joue. Fini le jeu. Les gens ne sont pas. Here comes a new challenger. Et merci. Merci FroggyFix pour le. Tu contribues à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est pas rien. Attention. Attends, je m'installe. Toujours plus près du poil. C'est ça qui est bon. Les gens ne sont pas là pour me regarder faire des jeux. Ils sont là pour voter à la fin. Ils en ont rien à foutre du jeu. Limite, j'enchaîne les jeux toutes les 5 minutes. Ça leur plairait beaucoup plus. Si. Ah, j'étais mieux avec le Hooper, je veux dire. Attention. Donc. Flint, le délicat et doux Flint. Faut faire. J'en étais où, putain? Mon dieu, il fallait que je fasse quoi? Je suis sorti de par là. Bande d'enfoiré. Quelle bande d'enfoiré. Je peux pas le tuer? Où est-elle? Où est Alexia? D'accord. Ah oui! Ah oui, il cherche la princesse. Ah lui, je peux le buter par contre. Alors oui, oui pardon. Alors pour ceux qui arrivent, j'explique brièvement le truc. Je me fais un marathon de l'amour et de l'amitié. Où je vais essayer de torcher les 1402 jeux PAL de la PlayStation 1. Putain, faudrait que je la fasse cette commande. Je sais comment on fait maintenant. Je sais comment on fait. C'est une commande toute bête en fait. C'est une commande toute bête. Du coup, voilà, je fais les 1402 jeux. À chaque fois que je commence un nouveau jeu, je lance une loterie. Vous rentrez dans cette loterie, ça prend un viewer au hasard. Le viewer au hasard choisit le jeu qu'il a envie de voir dans la liste qu'il y a en dessous, ou alors dans la liste qui vient d'être mise, bien évidemment, par Chancal TV. Excellent runner de Sonic. Si vous aimez les runs de Sonic, Chancal TV de suite. Hein. Cherchez pas à comprendre. Oui, voilà. Mais en plus, voilà, ça peut être marrant. On va se marrer. Il y a de tout, hein. Parce qu'il y a du déchet. Il y a pas mal de déchets. On va partir du principe qu'elle est là. Je le sens bien. Je sens que la princesse est là. Attention. Princesse, tu es bien jolie. Normalement, elle est dans la chambre du resto. Elle était dans la chambre du resto. Oui, voilà, c'est ça aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est marrant. C'est marrant pour vous, c'est marrant pour moi. J'essaie quand même de faire en sorte que ça reste ludique un minimum. Et puis voilà, au moins c'est quand même un truc qui peut durer. On peut se faire de beaux rendez-vous. De beaux et solides rendez-vous, tu vois. À l'ancienne. Autour d'une passion commune, le rétro gaming. Parce qu'au début, je voulais faire un marathon 3DO. Puis je me suis dit, la 3DO, ça parle à personne. Quoi. À part à des cons comme moi, donc en fait, on est 4. Voilà, ça parle pas à grand monde. Qu'est-ce qu'il me dit? Pas possible. Eh bien, je veux que vous la cherchiez aussi. Ah, donc elle est bien par là. Elle est bel et bien par là. Je peux pas aller en haut parce qu'évidemment, on l'empêche. Oh, même pêche. Toi, je te bute. Toi, je t'aime pas. Donc là, du coup, on est sur Alundra 2 et on enchaînera avec Rascal. Vous avez les noms au-dessus des gens qui ont choisi ces jeux doux ou moins doux. Comme ça, c'est nominatif. On sait qui est la personne douce ou le véritable enfoiré. Et ça, c'est bon. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Les consoles oubliées et souvent à oublier. Autant j'aime beaucoup la 3DO, mais autant la CDI. Bof. Bof, bof. Ah, pourquoi je peux aller dans le restaurant et pas dans les autres? On va retourner au restaurant, on va faire quelques menus discours.
Parlons aux gens, je le sens bien. Du coup, en bas à gauche, vous avez le temps du jeu, ça fait 8 heures qu'on est dessus. Et à droite, oui, c'est ça, c'est à tout au fond à droite, le temps total. Donc on en est à 6 jours et 11 heures. Parce que j'ai pas réussi encore à me choper un délicieux timer qui me met les heures. Au bout de 24 heures, le truc me met un jour, donc c'est un peu con. Rin, tu es de retour, comment ça s'est passé? Tu es entré dans le manoir de Milena? Là, je vous fais les doublages aussi. Vous allez voir les doublages exquis, quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te tracasse? Mon Dieu! Entre vite, papa! Ah, beau doublage. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la princesse Alexia. Salut. Super la robe. J'essaie de mettre le ton. Bon, ça chie. Faites-moi chier. Ouais, moi aussi. Exactement. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de notre génération, entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 31 ans. C'est vraiment la console qu'on a le plus squatté. Moi, c'est la première console que j'ai vraiment achetée, quoi. Donc, désolé, mais nous ne servons que les pirates. Je vais devoir vous demander de partir. Rendez-vous immédiatement et nous ne vous ferons aucun mal. Aucun mal ne vous sera fait. Si vous vous rendez avec douceur. J'ai attendu la 3DO depuis le début, je te faisais confiance. 37. Oh, mais ça va. Y'a pas d'âge. Non, mais casu, t'inquiète pas, on se fera un week-end ou deux 3DO. T'inquiète. Je peux pas la laisser tomber, moi, cette console. Je peux pas. Impossible. D'ailleurs, j'ai même bien envie de faire les jeux qui sont également sortis sur 3DO et sur PlayStation, les faire sur 3DO pour rigoler. Mais bon, là, non. C'est poussé trop. Y'a trop de poussé. Trop de poussé, mes douceurs. Qu'est-ce que c'est que ça, l'aide? Je me tire d'ici. Voilà un homme courageux. Courage. Courage. Attrapez-la. Attrapez-la. Ces types n'ont pas l'air sympas. Français dans le texte, avec des doublages français, les profs. Des fois, j'ai pas besoin de lire. Flint, tu peux t'occuper d'eux? Évidemment. Je suis chaud comme la braise. Oh oui. Les ennemis sont mongolos. C'est pas les ennemis les plus malins qu'on ait vus. Hein. Musique de l'amour. Oh, merci Flint. Voilà, une voix grave. J'ai fait une voix grave, je préfère. De toute façon, maintenant, ils auront tous une voix grave. C'est comme ça. Vous êtes à moi, princesse. Hé, c'est pas juste. Oh non, pas juste. Vous devez venir avec moi. Jamais. Je n'irai nulle part avec vous. Yo Ratchet, comment on va? Alors après, c'est pas la suite d'Alpha. C'est Alundra 2, mais ça n'a rien à voir avec le premier. Niveau scénario, niveau... Enfin, voilà. C'est juste... Ils ont récupéré le nom. Parce que c'est un peu le même style, quoi. Jamais, je n'irai nulle part avec vous. Cessez ce jeu, fillette. Emmenez-la. Non, il n'y a aucun lien entre le 1 et le 2. Je suis même pas sûr que... Il me semble que même l'univers, c'est pas le même. Arrêtez. Si vous travaillez pour Mephisto, vous savez qui je suis. En tant que princesse de ce royaume... Il faut le faire avec la voix très grave quand on parle de princesse. En tant que princesse de ce royaume, j'exige que vous me laissiez tranquille. Vous avez l'air si vulnérable, princesse. Rendez-vous calmement, il ne vous sera fait aucun mal. Ouais. Oh, c'est le combat. C'est le combat de tous les instants. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Oh, mais quel sac, et il se rend, quoi. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de gens pareils, quoi? De gens, de pareils gens. Viens par ici.
Bats les pattes, pas besoin de pousser. Quel doux et délicieux polygone, quand même. Heureux de vous revoir, princesse. Nous nous croisons toujours dans les endroits les plus insolites. Ah, c'est le croisement entre Yoda et Piccolo. C'est Yocolo. Yocolo. Qu'allez-vous faire de nous, Mephisto? Et ça rigole, bordel. Ça rigole. Ne craignez rien. Nous n'allons pas vous mettre en prison comme votre père. Ah, il est en prison, le roi. Eh oui. Le roi est en prison. Il s'est fait eu. Vous allez m'accompagner à Varuna, c'est tout. Pourquoi devrais-je suivre un crapaud inhumain comme vous? Je vous demande. Ou Piccoda. Piccoda aussi, ouais. Yocolo, Piccoda, ouais. Le baron Diaz attend votre arrivée avec impatience. Vous ne voudriez pas le contrarier? Oh non. C'est quand même le baron, quoi. Attends. Uf, uf. Patrol, on a un problème. Eh bien, parle. Yo Hyperion, comment va? Salut Yoichi, comment va? Merci pour le host, Yoichi, des bisous. Oui, Milady, mauvaise nouvelle. Parle, idiot. Speak, Damas. Mephisto et ses prêtres ravagent notre ville. De quoi parles-tu? On ne sait pas. Il ose attaquer mes pirates sur mon île. Je vais en parler au baron. Ninja. Ninja. Belgar, j'ai une question. Pourquoi as-tu laissé ce garçon s'enfuir? J'ai entendu prononcer son nom plusieurs fois dans ton sommeil. Ah! D'où? J'ignore la nature de tes relations avec lui. Mais tu ne t'inquiètes pas pour lui quand même. T'as vu mon image en MP? Bonne question. Bonne question. Ah, c'est pas à moi que tu parles, je pense. Parce que moi, j'ai rien. C'est les points à moi que vous parlez. Ok, libre. Donc, il y a une nature. Voilà. Il y a. Ils se touchent. Ces gens-là se touchent. Ouh, groovy. Quand je suis tombé amoureux de toi. J'ai eu le temps de voir la playlist que je t'ai envoyée. Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Faudra que je teste faille ça là. Ça avait l'air savoureux quand même. Quand je suis tombé amoureux de toi. J'ai juré d'enterrer mon passé. L'homme que j'étais n'est plus. C'est mieux ainsi pour nous deux. Pour toi, moi et le garçon. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Pourquoi tu m'as envoyé ta chaîne de YouTube? Where do you put your YouTube channel? I did not understand. Ah oui, d'accord. Très bien. Ah mais oui, salaud. Salaud, le poster Amiga, putain, mais oui, je le veux. Il est à moi, ce poster. Entrez là-dedans. Il est tellement à moi, ce poster, bordel. Ok, j'y vais. Surveillez votre langue, fillette. Bon, c'est pas des dialogues de haute volée, hein. Hein, on est d'accord. Toi aussi, tu entres là-dedans. Rentrez tous là-dedans, bande de sacs à merde. Qu'est-ce que c'est, un concours de fracasse-tête? Ah, c'est pas des dialogues de haute volée. Fermez la porte.
Scooby-Dooby. Scooby-Dooby. Attends, on va faire un dialogue. Je pense qu'il y a dialogue d'abord. Je dois te poser une question, Flint. Quelle est ta mission? Pourquoi poursuis-tu les pirates? Foutrement bonne question. Oh! Il va y avoir dialogue. Il va y avoir dialogue. Ah, c'est lui. C'est lui. Il est cerné. Merci pour le host ailleurs, des bisous. Oh, c'est la guerre. Pouvoir tous nous battre. Est-ce que tu penses pouvoir tous nous battre? Franchement, entre nous. Oh, Radcliffe, attention! Wait a minute. Oh, oh. Naomi? Oh shit! Naomi Campbell. Ça craint du passé, là. Ça craint tellement du poté. Naomi! C'était pas ma guerre, ou non? Naomi! Je crois qu'elle s'appelle Naomi. Un indice chez vous. Lâche ton épée, Radcliffe! Lâche-la, ou je lui tranche la gorge! Tue-les tous. Et tue-les lentement. Oh, le salaud. L'indicible gougnafié, quoi. Ok, j'ai compris. C'était pour rire. Bien sûr que je laisse le garçon. Je ne faisais qu'exécuter mes ordres. Flint! Oh, tu vois que bientôt ça va être de leur faute, de la faute du gamin. On va dire, mais non, c'est pas moi, c'est le gosse. En gros, tout le monde décède de manière extrêmement indicible, quoi. Décès sur 20. Jeu d'acteur sur 20, carrément. Ah oui. Après, le gameplay est bon, c'est sympa, il y a vraiment de bonnes choses. Mais alors, le scénario. Ouais, je sais qu'on voit encore ma tête, c'est chiant. Hein. Moi, en plus, à la base, je voulais les mettre là. Enfin, je vais te montrer. Moi, à la base. À la base des bases. Hein. Moi, à la base des bases, je voulais plutôt les mettre par là, tu vois. Comme ça. Mais bon, ça fait un peu trop chargé, c'est pas terrible. Remarque, à la limite, je peux laisser celui-là là-haut. Ouais, on va faire comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est mieux. Et comme ça, ça fait style, t'as vu, ça fait putain le mec et tout. Putain, la production de fou, quoi, putain. Wow, il y a Luc Besson derrière, minimum. Michael Bay, quoi. Non, Uwe Boll. Désolé d'apprendre que... Désolé d'apprendre que quoi. J'ignorais ton passé. Mais ce que j'ignore pas de le savoir, c'est que l'amour est une subtile nuance d'alcôve bleue, rouge, verte et bleue encore. Mais le passé mène au présent et à l'avenir. N'oublie jamais cela, Flint. Non, jamais. Là où il est bien. Mais un jour, je me ferai un overlay de tueur.
J'ai bien envie de me choper, tu sais, les jaquettes. Enfin, les jaquettes de dos standard de Play, je sais pas comment elle est celle-là. Ah non, elle est pas standard celle-là. Mais les vieilles, puis foutre les carrés là où il faut quoi. Luc Caisson, très bien. Luc Caisson, je valide. Il est temps pour nous de partir, princesse. Suivez-moi. Vous êtes encore plus gêné que d'habitude, Mephisto. Je vais casser la gueule d'un gros black et sur une prostituée, comme dans tous les films de Luc Besson. Non. Non, non, non. Moi, je vais casser la gueule à la prostituée et je vais sauver le Bob Black. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous finirez par apprendre à me parler avec respect, princesse Alexia. Le respect. N'y comptez pas, sorcier. Ça parle trop, là. Ça parle trop. Et oui, les inconnus. Toujours les inconnus. Si c'est pas Dupontel, c'est pas les inconnus. Oh, c'est tout en souplesse après. Par ici, princesse. Oh. Alors j'aime bien, les deux, ils sont trois. Tout le monde est armé, mais on va pas se défendre, quoi. On fait rien. Le mec, c'est un sorcier dégueulasse, et l'eau se tapait les fistos. Ouais, non, mais ils ont peur de rien, attends. Ils ont peur de rien. Attends. Ma chère princesse, veuillez excuser mes méthodes un peu brutales. Elles ont dû vous sembler plutôt abruptes. Voilà des doubleurs qui ont fait carrière. Le baron vous attend. Ça, c'est des carriéristes, ça, attention. Gros CV de doublage, là. Au plus vite. Gros niveau de doublage, quoi. Ah, le CV long comme mon bras, quoi. Vous et moi allons nous envoler vers la cité royale. Pourquoi pas? Veuillez me suivre. On va essayer. Follow me. Cessez immédiatement. Je suis la princesse du royaume de Varuna. La princesse du royaume de Varuna. Oh, c'est un prince à New York. Le royaume de Zamunda. J'exige que vous nous libériez immédiatement. C'est la suite d'un prince à New York, en fait. C'est pas la suite d'Alundra. Tout s'explique. Princesse de Varuna, voyez-vous cela? Ne me faites pas rire. Vous n'êtes rien. Je vais vous montrer ce qu'est le pouvoir. Merci pour l'host, Genux. Des bisous. Avec cette clé, des bisous. Je peux faire de vous mon esclave. Un petit chien de compagnie à mes ordres. Oh mon dieu. Oh, ils vont lui mettre la clé. Le royaume de Zamunda. Avec Eddie fucking Murphy, exactement. Gros jeu. Comment il rentre à 3 dans la libellule? Vous m'expliquez? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment il va rentrer? Comment ils vont rentrer à 3 dans une libellule? Ah d'accord, autant pour moi. Autant pour moi, il s'accroche tranquillement pendant 3 heures. J'ai le bras un peu engourdi, mais ça va. Je c'est regrette, bien, c'est bon. Mais nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. On verra. Choquez-le au requin. C'est la voix de Didi dans la bande d'Exter. Ah oui! Ah oui! Exact, je m'en rappelle. Exact. La voix de Didi, ouais. Lapin bêche. Elle a pas un bêche. Et là, je vais me faire bouffer par le. Par la baleine du début du jeu. Logique. Hein, vous allez bien? Je vais bien, je te remercie. Enfin, je crois.
Non, non, je ne vous veux aucun mal. Il ne nous veut aucun mal. Ça, c'est vraiment la phrase d'un mec qui te veut du mal, ça. Hein, quoi, vous voulez me donner quelque chose? Avez-vous les objets? En fait, je vends les objets. J'ai ma marchandise ici, allez. Bien sûr, tout est bon. Il y a toujours moyen de vendre des conneries. Y a pas de là-dessus, on est plutôt tranquille. Ouais, bon, t'as que tu vends que de la merde, passons. Ok. Kala sort de ce corps, par derrière. Alors j'ai une porte là. Ah, petite sauvegarde rapide. Petite sauvegarde rapide, ça peut aider. Tu veux un bonbon petit? Oh mon dieu. Ah, maintenant il avait d'autres trucs à me proposer, il n'y avait pas que les trucs à vendre. On va voir ça. On va voir ça immédiatement. Alors, souhaitez-vous écraser... Oui, je sauvegarde moult fois, on ne sait jamais. Je préfère faire 18 sauvegardes que 0. Tout doux. Je vais retourner voir le vieux. Je vais retourner voir le vendeur chelou. Bonjour, vendeur chelou. Quel est cet endroit? Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une grotte souterraine. J'ai exploré les tunnels à la recherche d'un moyen d'en sortir, mais sans succès. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis revenu ici où je pensais être en sécurité. Tu as hâte de me voir sur Rascal, super. J'imagine, ouais. J'imagine. Ça va faire du Hurlosaurus Rex, ouais. C'est une bonne question, comment je suis arrivé ici. À la vérité, je n'en sais rien, mais je ne me plains pas. Ça demande pas de poisson. Super. C'était vraiment très intéressant. Allez, on se balade. On se balade. Attention, donjon. Donjon. Rien, moi je pousse, mais je pousse au hasard. Comment ça les bubules? Et les bigorneaux, bordel. C'est vrai ça, putain, les bigorneaux. On y pense pas. Ah d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, recommençons. C'est parti. Fuck, il me faut les 4. Fuck, il me faut les 4. Donc, plus dur. Faut pas que je le shoote trop de fois. Donc, je vais shooter. C'était quoi, 4 ou 5 fois, hein, pas plus. 4 ou 5 fois, pas plus. Allez, arrête de. Salaud. Philippe, je vais sauter de cache. Mais quel con! Mais quel moult con! Moult con! Moult con! N'ayons pas peur de nous. Ah putain, 5 c'est trop! 5 c'est trop! Donc 4! 4 shoots! Ça va être chaud, ça va être tendu! Il m'étonnerait que j'y arrive. Je peux pas faire autrement. Ah oui.
J'y crois, moi. Bravo. Bravo le veau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du bigourneau, ça. Ça, c'est du bigourneau en mars. Ça manque de challenge, tout ça. Ça fait un moment que j'ai pas dit une foule en délire de lancer les bigourneaux, quoi. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où vraiment j'envoie du pâté, quoi. Attends, c'est juste pour faire apparaître les... Je m'en fous, j'ai pas besoin de les voir, je les vois. Je peux pas dire que ce soit véritablement transparent, quoi. Hop. Coquin, va, tiens. Hop. Trop facile. Hop. Ouh. Gros, gros défi. Gros, gros défi, encore une fois. Plus de magie. On va laisser remonter la magie tranquillement. Voilà, on va prendre du thé vert. Le thé vert, c'est la vie. L'eau, l'air, la vie, le thé vert. J'en ai assez, 30. J'ai compris. J'ai compris. Je vais peut-être prendre une potion parce que sinon ça va durer 1000 ans. Donc du coup objet. Qu'est-ce qui rend des PE? Elle est noire. Ah super, j'en ai qu'une. Je n'en ai qu'une. Toi aussi t'as compris. Allez, mange. Donc je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis quand même, je ressemble quand même à un génie. Ah merde. Très bien. Mais non, mais quel con. Ah, je me mets en dessous. Voilà. Je fais quoi maintenant? On se casse, on revient, on va pas tout niquer, ça va être le bordel. En gros, faut que je fasse, je pense, il faut que je les empile. Faut faire de l'empiler. De l'empiler jeté, comme on dit chez nous. Voilà. Parfait. Salut Nicolas, bienvenue, installe-toi confortablement. Mais non, mais. Possible, c'est pas possible. Ou alors faut que je pousse un peu plus, comme ça je suis sûr de pas le toucher le truc, quoi. Mon dieu, voilà. Ah, y a peut-être moyen, pas du tout. Vite, voilà. Là, c'est bon. Là, on est plutôt bon. Là, on est plutôt dans la fraîcheur. Mais quel con, moult con. C'est n'importe quoi. Je suis pas sûr que ce soit juste pour ramasser une pièce. Tu crois que c'est juste pour ramasser une connerie? Non, non, c'est pour un objet tectonitant. Un objet tectonitant. Qu'est-ce qu'un objet tectonitant? Ah oui, il peut pas. Évidemment, il ne peut pas se mouvoir là. Voilà. Là, il y a mouvement possible. Il faut refaire de la magie. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Il n'y a pas un code magie infinie? Salaud. Salaud. C'est pas légitime.
Je ne vais pas m'énerver. Calmons-nous. Seulement une fois par jour. Non, absolument pas. Je n'ai jamais parlé de ce que tu viens de dire. Non. J'ai dit un autre truc. J'ai dit. Tu n'écoutes pas. Et merde. Oh, attends. Je ne suis pas énervé. Quoi qu'en disent certains, je ne suis pas. Je ne suis pas énervé. Mais fuck. C'est très mal branlé leur truc. On est d'accord que c'est très 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 mal branlé. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ça. Ça. Et voilà, comme ça, c'est coincé. Et je l'ai dans le cul, bien évidemment. Comme ça, après, j'ai plus qu'à faire un espèce d'esquissé. Allez, redonne-moi de la magie. Redonne-moi de la magie, j'y crois à fond. J'y crois très fort. Ne vous oublierai jamais. Oh là, la con de. La con de. Oh, pas mal. Non, si, pas mal là-bas. Pas mal, parce que là, après, je peux pousser comme ça. On envoie le bout. On tient le bon bout, bud. Si je suis en dessous du cube quand il tombe, eh ben, il reste sur moi jusqu'à ce que je me déplace. Non, il n'y a pas vraiment de danger. Il n'y a pas mort. Ah oui! Se passe. Merci. Voilà. C'était évidemment obligatoire pour l'ouverture de la porte. Ouais, bon. Je fais pas ça par plaisir. Moi, le but, c'est de terminer les jeux. Il a pris un coup, sinon merde. Oh oui, de la magie. Saloperie. World record. World record again. Mec, il enchaîne les world records, quoi. Il a peur de rien. Oh oui. Oh oui, j'ai eu une fléchette. Putain, faut jouer aux fléchettes alors. Faut y penser. Pensez-y, pensons-y. Oh les bigorneaux. Une foule en délire lance des bigorneaux. Et une foule en délire lui lançait des bigorneaux. Oh oui, des fléchettes. Oui, donc quand on aura fini ce donjon, dès qu'on est sur la carte du monde, pensons fléchettes. Il faut jouer aux fléchettes. Très important. Très, très, très important. Oh, l'œil. L'œil de Moscou. C'est l'œil de Moscou, bordel. Ces flashs dégueux. On se bat. Très bien. C'était beaucoup trop facile. Oh le foutage de gueule. Oh une foule en délire lance des vieux bigorneaux avariés quoi. Je suis full tonique. Et bon, on va en manger. Je suis full tonique. Et une foule en délire a lancé quelques bigorneaux avariés. Passé de date. Non, pas encore avariés. Passé de date. Pas pareil. Oh, des noix. Les noix de cajou, mes préférées.
Ça manque une carte. Voilà. S'il y a vraiment un truc qui manque à ce jeu, c'est une carte. Une gentille petite carte du monde. Enfin, au moins du donjon. Que l'on crée, évidemment, au gré de nos balades. Je fais le jeu en facile, du coup, qu'un seul jet. Eh oui. Eh oui. J'assume totalement ce choix. Ce choix qui est le mien, je l'assume. Moi, streamer rétro, je vous promets l'intégralité du catalogue PS1. Moi, streamer rétro, ça va bien se passer, vous allez voir. Yo MGSman, comment on va? Attends, il y a souci là. Il y a souci. Non, tout ça je l'ai fait, c'est bon. Si, il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu, il faut le finir le jeu. Pas d'enjeu, non mais ça me connaît. Les gars, l'enjeu. L'enjeu, c'est de finir tous les jeux. Pas de se casser. Pas de se casser la nuque à chaque niveau. Ouais, ça va, je te remercie, MGS, man. I remercying you. Saint-Cloud Béret Basque. Que penses-tu à Nintendo Switch? Mais écoute, avant le Nintendo Direct où ils ont présenté tout ce qu'il y avait, je mourais d'envie de l'avoir. Maintenant, non. Maintenant, non, ça m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse plus, on va dire. Pourtant, avant qu'elle sorte, j'avais envie, je me suis dit, putain, ça y est, ça sent la console Nintendo qui va cartonner. Et putain, la présentation de la Nintendo Switch, mais quelle déception. Oh là 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 là. Quelle déception, mais un truc de ouf. Hein. Mais moi aussi, elle m'intéresse, c'est ça le pire. Elle m'intéresse, mais pas en l'état. Je vais attendre, je l'achèterai pas à la sortie, c'est sûr et certain. À la sortie, y a rien. Y a rien qui m'intéresse, mais rien. Tous les trucs que. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le dernier Zelda. Mais je vais le prendre sur Wii U, je vais pas me faire chier quoi. Je vais le prendre sur Wii U. J'ai la Wii U, donc autant le prendre sur Wii U. Sur Wii U. Je le prends sur Wii U. Après, je la prendrai quand il y aura les sorties de Xenoblade et des trucs comme ça. Là, oui. Là, grave. Grave, je la prends. Oh, il est sous. Oh, 500. 500 bigordos. Une foule en délire lance des bigordos là. Ah oui. Ah oui, là oui. Là, on peut s'enjailler. Enjaillage général. 500 pièces d'or. On est refait. On va pouvoir acheter moult épées. Et moult boucliers. Mais non, mais normalement t'es mort. Normalement c'est le décès. Quoi. Ensuite je la prendrai quand il y aura. Parce que les trucs qui sortent, la 1-2 Switch et compagnie, alors là je n'ai rien à branler de ça. Et d'une force. Je donne un peu de l'argent aux abonnés. Mais non, non. Ça c'est les sous que vous devriez nous donner ça. 500 pièces d'or c'est le minimum. Maintenant c'est un stream à 500 pièces d'or, frère. Et dès que j'ai un truc vraiment con, je rajoute frère, ça passe mieux. Ça passe mieux quoi. C'est limite, c'est une excuse. Ça va, il a dit frère. Il a dit frère, c'est bon. Validé, il a dit frère. Ah oui, moult pognon. Moult pognon. Où est-il? Très bien. On enchaîne. On voit.
Balance ta flamèche, voilà. Pourquoi elle s'est éteinte? Pourquoi elle s'est éteinte, la mongo... Voilà. Chacun voit sa façon. Moi, justement, moi tout de suite, je vais bien me marrer avec les potes. J'adore le côté hybride de la console. Ouais, mais non, tu vois, je préfère un... Enfin, oui, t'as tout à fait raison que chacun son avis, ça oui. Mais après, One to Switch, non, c'est pas là. Moi, je suis pas hypé du tout. Attends, je vais virer ça vite fait, ça va m'arranger. Hop, là, voilà, super. Je suis pas hypé du tout. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est tout un tas de trucs que tu peux faire. Limite, des fois, je me dis, putain, tu peux tellement le faire mieux sans la console, sans ces merdes. Enfin, il y a déjà des jouets pour ça qui existent et qui sont vachement mieux. Mais bon, après, voilà, après, chacun son avis. Hein. Je trouve que les mini-jeux, enfin les premiers trucs qu'ils avaient proposés pour la Wii, étaient vachement plus drôles, vachement plus convivial que le One to Switch. Envolez-vous et quittez cette terre. Ok. Je m'envole. Yo Scott, comment on va? Je m'envole moi, non, mais m'envoler, je m'envole, regarde. Je m'envole. Comment on va se démerder? Comment on va se démerder, bordel? La porte ne bougera pas. Évidemment. Évidemment, c'est une énigme. Énigme de l'indicible. Envolez-vous et quittez cette terre. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est bon. Nique sur le prix. Ah oui, putain, le prix aussi, ouais. Putain, je suis un génie. Je suis un fucking genius, les gars. Si elle avait été plus puissante, ça aurait été encore mieux. Moi, j'ai un peu peur de l'open world Zelda. Ah, mais t'auras le même sur Wii U. Donc, cherche pas, hein. Cherche pas, quoi. Non, ce sera sur Wii U. Et après, les manettes à 80 balles, ouais, non, c'est juste hors de question. C'est le combat. Oh mais c'est tellement facile en vrai. En fait tu restes là. C'est bon, j'ai trouvé le safe spot. C'est le safe spot, bordel. Alors envoie-moi le dernier. Il fait mal le con. Salut Apple Geek, comment on va? Bienvenue. Mais il fait mal le mongolito. Tout le respect. Merci pour l'Oscar, les bisous. Non mais... Ça merde. Enfin... Grossier personnage. Gros gain. Gros gain. Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. Une clé. Le double qui va mourir en facile. J'en ai rien à foutre. J'ai pas un seul mec qui me kiffe sur ce chat. Tout le monde me déteste. Tout le monde veut ma mort, quoi. C'est qu'ils commencent à suivre les autres pour les mauvaises idées. Ah oui, putain, les internet payants sur Nintendo aussi. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, quoi. Nintendo qui vont avoir en multi que Mario Kart. Mario Kart. Et Splatoon 2. Donc, non. Il est hors de question que je mette du pognon là-dedans. Moi je... Merci. Il y en a un qui m'aime. €300 sans jeu. Ouais, ouais, non, enfin c'est du foutage de gueule. C'est dommage, hein. Parce que moi, quand ils avaient annoncé la console entre 250 et €300, je m'attendais plus à ce qu'elle soit à 250. C'est vrai que ça aurait été très intéressant.
Mais là, en plus, faut les manettes à 80 balles, plus ci, plus ça. Non. Alors, Nintendo ne sait plus faire autre chose que du Nintendo, mais ça, à la limite, moi, je trouve que c'est une force. Parce qu'ils font très, très, très bien du Nintendo, par contre. Quoi. Moi, vraiment, je sais que je la prendrai, pas de suite, parce que c'est hors de question que je la prenne là, alors qu'il n'y a rien. Mais je sais qu'après, je la prendrai parce que je veux jouer à Mario Odyssey. Je veux jouer à Xenoblade 2, même si c'est pas du Nintendo, mais c'est quand même un truc Nintendo maintenant. Je veux jouer aux sorties Nintendo dessus, quoi. Je veux même jouer au Fire Emblem Warrior, là. L'espèce de Dynasty Warrior, Dynasty Warrior, avec Fire Emblem. Alors que ça me fait chier. Je voulais tellement un vrai Fire Emblem, quoi. Pas un Fire Emblem en mode baston, quoi. T'as d'ailleurs, j'ai reçu Berserk. J'ai reçu le Berserk sur PS4. Berserk Muzu. Donc peut-être que ce week-end, on fera pas de PlayStation, mais on jouera à Berserk. Histoire de... J'ai envie de jouer à Berserk ce week-end. Donc ce week-end, je ferai pas de PlayStation, si ça vous dit, si je suis... Enfin, si je suis là, hein, parce que je suis sur risque de pas être là ce week-end. Comme d'hab, hein, le week-end musique, tout ça, la folie, quoi. On a fait des contrôles différents. Eh oui. Le Berserk Muzu, ouais. Ah, j'espère qu'il est bien. Parce que putain, Berserk, quoi. Parce qu'en plus, je suis en manque de Berserk, là. J'ai lu le dernier, là, ça y est. Je l'ai enchaîné, le dernier. Je l'ai mis de côté, j'ai dit non, je lis pas de suite, je lis pas de suite. Tu parles, ouais. Je l'ai avalé, quoi, le bouquin, quoi. Les devs, ouais, c'est ça aussi, ouais, les développeurs ne peuvent pas s'emmerder avec une console. Entre guillemets, relou. Merde, c'était quoi? Ah, d'accord. Alors, Zelda, oui, c'est clair. Skyrim, non. On en parle de Berserk. Ah, tu parles de l'anime. On parle de l'anime. On peut parler de l'anime, ouais. Carrément, y a pas de souci. Moi, je l'apprécie à sa juste valeur. C'est-à-dire, c'est très moyen. C'est très moyen. Il y a des animations que j'aime pas. Il y a des CG que j'aime pas, mais il y a des CG que j'aime beaucoup. Il y a des trucs en image de synthèse que j'aime énormément et d'autres que je trouve vraiment dégueulasses. Après, moi, je parlais du bouquin. Je parlais du tome 38, moi, que j'ai avalé d'une traite. Mais... Quel enfoiré. On fait mourir. Ah, c'est, j'ai compris. Vas-y. Ah, presque. Presque. Ah putain, faut que je tire presque en même temps, quoi. Oui, c'est ça, l'animation du troll. Mais merde. Oh, j'y étais, là. Un peu tôt, c'est vrai, un peu tôt. Yes. Si tu crois dans les promeneuses, c'est correct. Le fait qu'à côté les catalogues PlayStation, ça fait vide. Ouais. Splatoon 2, non, c'est comme Splatoon 1. Moi, Splatoon 1, ça m'a fait rigoler, mais sans plus. Ouais. Après, c'est vrai que j'aime bien. Bon, j'y ai joué deux fois en même temps, donc je suis vraiment mal placé pour parler de Splatoon. Mais les deux fois où j'y ai joué, c'était cool. C'était cool. Oh, le coup, bien joué. Oh, le coup. Attends, regardons ce qu'il faut faire là-bas. Je peux pas le retourner. Évidemment, ce serait trop beau. La console GameCube, c'était la... Pour moi, c'était peut-être la... C'était peut-être la console la plus puissante de sa génération. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça a refroidi... Attends, on va faire comme ça. C'est peut-être à ce moment-là que ça a refroidi Nintendo de faire des consoles toujours plus puissantes.
Parce que la GameCube était plus puissante que ses... Enfin, pour moi, après je peux peut-être me bourrer, c'est pas impossible que je me plante. Mais bon, j'avais tellement l'impression qu'elle était plus puissante que les autres, au vu des jeux proposés sur GameCube par rapport à la PS2 et la Xbox. Quand tu vois Mario Sunshine, à quel point il est beau. Le Resident Evil Rebirth de Zero, à quel point c'était beau, je me dis putain. Ouais, voilà, Splatoon c'est marrant, mais après, ouais, je sais pas, j'ai pas assez joué pour vraiment donner mon avis, quoi. Défoncer quoi. Tale of Symphonia était très beau, ouais, carrément. Même le Wind Waker, je l'avais trouvé ultime. Je suis en train de me faire pouiller. Allez, viens là que je te bute, parfait. Tape une réputation de mauvais hardware alors qu'elle était équivalente, voire même un peu mieux foutue que sa concurrente directe. Ah oui, mais attention parce que l'architecture de la PS2 c'est de la merde, hein. y a rien du tout quoi. D'ailleurs la PS2 a niqué la Dreamcast quoi. Parce que tout le monde pensait que la PS2 allait être beaucoup plus puissante que la Dreamcast. Du coup plein de gens ont attendu avant d'acheter la Dreamcast pour prendre la PS2 à la place. La PlayStation 2 a flingué la Dreamcast parce qu'elle, avant l'heure quoi. Un Fallout sur Switch. Ouais mais alors des exclus. Tu vois moi j'aurais préféré un Elder Scrolls 6 sur Switch que un Skyrim. Skyrim j'ai fait sur PS3, PS4 et PC, j'en peux plus moi Skyrim. Sky of Arcadia, putain, moi j'ai été tellement hypé quand ils ont ressorti Sky of Arcadia sur GameCube. C'était le plus beau jour de ma vie. Et je l'ai pas gardé. Attends. Non, je crois que je l'ai pas gardé. Donc si quelqu'un a un Sky of Arcadia sur GameCube, je le veux avec grand plaisir. Je vous en débarrasse. Je vous en débarrasse sans problème. C'est le seul jeu qui me manque sur GameCube pour avoir tous les jeux que je veux. Après j'ai même des jeux moins bons. J'ai le Phantasy Star Online 3, hein, le truc interdit. Le jeu de cartes online. Mais qui est pas mal en fait, Phantasy Star Online 3 est vraiment sympa quoi. Ouais j'ai tiré trop vite. Je m'as le branlé, attends quand même d'y jouer car on sait pas beaucoup le sujet. Ouais. Quel con. Ah ça c'est vraiment pourri ça. C'est la spéciale édition. Ouais. Ah mais il repop non? C'est des... Non je sais plus. Alors, je vais en buter un de plus, on va voir s'il repop. Sinon je vais m'occuper que de l'autre.
Moi, je vais le prendre Persona 5, Yoichi. Évidemment. Obligé, quoi. Obligé, Persona 5. La vraie question, qui va prendre Resident Evil Outbreak HD quand il va sortir? Et qui va prendre FF12 HD à part moi? Merde. Ah d'accord, oui, repop. Il repop à l'infini, c'est sa caméra. Bon, vas-y, on voit. On voit le bouillon. Ah oui, Persona 5, obligé, je le fais. Il va y avoir un moment, il va falloir que je joue un petit peu autre chose que Apple Station. C'est pour ça que je pense que... Bon, là le week-end, j'ai pas trop de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Y'a pas de soucis, Perion. Si tu... Là, le week-end, y'a pas de jeux PS4 ou quoi auxquels j'ai vraiment envie de jouer. Donc du coup, je continue le Apple Station, mais là... Ah oui, y'aura le réseau. Sur le HD, y'aura le réseau. Sur le HD, y'aura le réseau. Bonne nuit, Perion, des bisous, et merci de passer. Sur le HD, il y aura le réseau. Qui va se positionner 3 fois pour le remake FF7? Ah bah, je pense qu'on va être moult, hein. Tous les vieux cons, déjà. Tous les vieux cons qui y croient encore. Et merde. C'est n'importe quoi, ce système de bombes. On est d'accord. We can agree on that, hein? Right? Soit peut-être trop tard, soit peut-être trop tôt. Donc là, je pense que le week-end maintenant, à partir de maintenant, là, ça va être du Berserk. Ensuite, le week-end, ce sera du FF12, du Resident Evil HD, enfin du Outbreak HD. Et ensuite, je sais pas. Ah, voilà. Le week-end, on se fera des jeux un peu plus récents, un peu plus sympas. S'il y en a qui ont une Wii U, on peut se faire des Mario Kart le week-end, ça peut être sympa. Je dis ça, quoi. Les FF vont de 4 à 9, de quoi? Ouais, joli. Personne à la Wii U, y'a que moi qui ai la Wii U. Y'a que moi qui ai la Wii U, je suis tellement malheureux, quoi. Oh putain, mon cul est un geyser. Pourquoi y'a que moi qui ai la Wii U? C'est pas juste. Je préfère du 7 au 9. Ah, je préfère le 4-6. Le 4 et le 6, franchement. Le 4 et le 6, ils sont tellement ultimes. T'as la Wii U? Bah, cool. Elle est dans un sac. Petit sac à merde. Petit salaud, va. Petit Rainy Seas. C'est parce que c'est un Rainy Seas, c'est un petit Rainez. C'est un petit Rainez. Parce que c'est un Rainez. Tampi. J'ai Splatoon sous blister. Ah, j'ai moult jeux Wii U sous blister auxquels j'ai pas encore joué. Enfin, moult. J'en ai quelques-uns, quoi. Offert par mon partenaire qu'il y a en dessous, Draconia et Best Game. N'hésitez pas à cliquer. La dernière, parce que là en fait je vais péter des clés, quoi. Faut que je fasse les 4 clés, là j'en ai 3, donc là une petite guerre pour la route. Rouge, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu. Rouge, jaune, bleu, jaune, jaune, bleu. Rouge, jaune, bleu, jaune, jaune, bleu. Ouais, bon, ça me paraît logique, quoi. Rouge, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune. Oh, mais Mongolo! Et Mongolo des Mongolos! Zai, 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 zai! Ah, tiens, pas des objets de exquis, doux exquis. Et si, maintenant j'ai des partenaires, c'est ce que je disais la dernière fois. Mais ça date de ça date de début de semaine. Début de semaine, donc j'ai eu des partenariats, moult partenariats. Enfin, deux partenariats magasins. Enfin, un partenariat magasin, un partenariat site
de vente entre particuliers, le partenariat YouTube et compagnie. Voilà. Je risque peut-être, avec un peu de chance, de faire le marathon en entier, parce que peut-être que ça va m'aider à subsister un petit peu, tu vois. Franchement, si le top, j'arrive à faire 50% de ronds de stream et 50% de ronds de musique, je suis refait. Voilà. Ma vie, c'est quoi? Les jeux vidéo et la musique. Pouf. Voilà. Ça, c'est à cause de vous, ça. C'est à cause de vous. Alors, rouge, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu. On y croit. Rouge, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu. Laissez des bandes. Voilà. Ils viennent se suicider. Rouge, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu. Alors là, c'est quoi? Et ben là, c'est rouge, hein, de toute façon. Voilà. Donc rouge. Rouge, jaune, bleu, jaune, rouge. Ensuite, jaune. On est bon. Enfoiré, va. Rouge, jaune, bleu, jaune, jaune. Rouge, jaune, bleu. Ah, ils sont cadeaux, eux. Ils sont complètement cadeaux, quoi. Ah, vite. Rouge, jaune, bleu. Donc là, on est toujours en bleu. Ah non, faut que je revienne. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est bon, j'ai compris. Faire les allers-retours de... Non mais je m'en fous. Donc rouge. Jaune. Voilà, rouge, jaune. Bleu. Jaune. Rouge, jaune, bleu. Perfect, dude, perfect. Après, c'est pas les follow qui comptent, hein, Yowitch. C'est le fait qu'il y ait du monde. Non, j'ai pas le qui est marqué. Oh, je suis bloqué. On me bloque. On m'empêche. C'est le fait qu'il y ait du monde régulièrement aussi. Plus il y aura de monde régulièrement, plus j'aurai facilement certaines choses. Certains avantages de l'amour. Ok. Le silence l'emporte toujours. Ok. C'est le fric qui compte. Bah, c'est malheureux en même temps, oui, c'est un peu le pognon qui régit tout le reste. Hein. Et normalement, faut bien manger, quoi. Je ne bouge pas. J'ai confiance. C'est Bigorneau, quoi. Je ne peux pas me nourrir que de bigorneaux, il m'en faut beaucoup, c'est vrai. Et je ne peux pas me nourrir que de bigorneaux, quoi. Voilà. Donc après, on verra, j'ai encore le temps de voir. On verra où on en est d'ici quelques mois, et à ce moment-là, ben, je l'aviserai. C'est complètement con. Oui. Voilà. C'est le décès. Ça parle encore pognon. Mais non, pas du tout. Salut Kala, comment vas-tu? J'ai cru que tu boudais, tu vois. J'ai cru que tu boudais à tout jamais. Et quel con! Quel indicible con! Ah, le rebond, quand même. J'attends un peu plus. Faut que j'attende tellement un peu plus.
Non mais j'ai de la vie. Salut W.U.V.A. W.U.V.A. 248 DL. Ah putain, chaud. Showtime, bienvenue, installe-toi confortablement. Avec ta box ? De quoi avec ta box ? Je comprends pas ce que tu dis, Yoshi. De quoi avec ma box ? Qu'est-ce qu'il y a ma box ? Ouais, t'as loupé une danse érotisante. T'as loupé une danse érotisante. Votre partenaire se pâme. C'est bon. Décès d'un homme, on a gagné. Qu'est-ce qu'il y a avec ma box, Yoich ? Je ne comprends pas. Ouh, votre partenaire se pâme. Très bien. La clé. Du coup, c'est bon, le donjon, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer avec amour. Ah, j'ai plus de tonique. Ah, j'ai trop de tonique. Ah oui. C'est vrai que lui aussi a des problèmes de boxe. Quoique moi, ce soir, on va savoir si mes problèmes de boxe sont résolus ou pas. On va être enfin fixé. Et si mes problèmes de boxe sont résolus, on pourra vraiment dire que là c'est le début de cette ère 3.0 qui va voir l'avènement de cette chaîne de rétro gaming. Attention, j'y crois à mort. J'y crois à mort. En diaporama. En 2,4 images secondes. Ah, il dit en 10%, il a mis 10% de la gomme histoire d'être tranquille. Cette musique de l'amour, cette musique ancestrale de l'amour même. Allez, je reprends de la vie, je sauvegarde. Et à mon avis, boss des boss quoi. Le boss des boss. They're the boss of the boss. Boss. On va s'équiper des. On va virer les herbes parce que les herbes c'est un peu moins la vie maintenant qu'on a. Maintenant qu'on a un peu plus de vitalité. On va s'équiper des fiolines. Des Cédric fiolines. Scooby Snack. Le mec il sauvegarde en facile. Mais bien sûr que je sauvegarde en facile. C'est pas ce qui peut arriver. T'es ouf toi. Quelle bande de salauds. Heureusement que je sais que vous m'aimez fort hein. Parce que sinon je le prendrais mal. Allez, dans la poche. On est bon. Voilà. Et voilà. Allez, le combat. Me voilà. Me voilà pour la baston. Pareil pour l'aventure. Cette côtelette est délicieuse. Exquisite côtelettouze. Ça marche, Kala, des bisous. Bon courage. Des bisous à ta douce. C'est vrai, moelleuse, juteuse et légèrement fumée. Qui est là ? Où ça va chier ? Qui êtes-vous ? Comment avez-vous trouvé notre base secrète ? Ah, c'est Prunwell. Les enfants, que signifient ces cris ? Tonton, ce type-là, je viens d'arriver. Quoi ? Monsieur Flynn, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Comment et pourquoi ?
Monsieur Flynn, pardon de ma question, mais comment avez-vous trouvé notre QG des enfants de la couronne? Oh, les enfants de la couronne, carrément quoi. Quoi, Mephisto a pris la princesse Alexia en otage? Et vous dites qu'il exécutait les ordres du baron Diaz? Oh, c'est horrible, qu'allons-nous faire? Ah, c'est les femmes, hein, des fois. Ah, tout simplement. Faut faire avec. Pourquoi le baron Diaz ferait-il une chose pareille? C'est vrai, pourquoi? Where is it is? Where is in my place? Where is not in Chicago, Seattle? We don't know. J'ai toujours su que Diaz était un escroc. Il ne s'en tirera pas comme ça. On doit faire quelque chose. Et vite. Très vite. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Libérons la princesse et reprenons le trône de force. Pour la couronne. For the crown. Yeah. Et voilà. Et les voilà. Les petits canards. Et ceux-là, ils sont équipés d'un GPS pour se repérer dans les galeries de certaines dames. Bonne nuit, Yoichi, les bisous. Yeah. Tout le monde s'enfuit, tout le monde s'endort. C'est beau. C'est très beau, là. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Scoop, Scoob, Scoop, Scoob. Soyons fous. Donc là, tu restes, sinon je m'en vais. Tout le monde se barre, bordel. C'est quoi, mais c'est vrai, si moi je m'en vais aussi. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes tous en état d'arrestation par ordre du baron Diaz. On s'est fait gauler comme des cons, quoi. Comment osez-vous? Laissez-moi sortir d'ici. Relâchez-nous. Je vous ordonne de nous laisser partir. Taisez-vous là-dedans. Bande de caniches. Alors, mes mères. Relâchez-nous immédiatement. Je suis Prunewell et j'exige que vous nous libériez immédiatement. En fait, j'ai fini mon stream quand tu m'as host tout à l'heure. Ah, bravo. Bien joué, Chonk. Excellent. Malin, le mec. Complètement malin. Et hey, merci, Fox, pour le follow. Des bisous. Tu contribues à rendre le monde meilleur et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Silence là-dedans. Urk, vous allez regretter ça. Bienvenue sur le marathon du cervelas. Here comes a new challenger. Le marathon des génies. On va torcher pas moins de 1402 jeux par là. Avec plaisir, Nightmare. Et j'essaye de temps en temps, je suis désolé, là-dessus, je sais que j'aurai jamais le temps vraiment de me caler pour regarder un stream, voilà. Soit je stream, soit je fais de la zik, soit je passe un peu de temps avec ma femme, donc j'ai rarement le temps de vraiment me caler devant un stream. Quand je peux, tac, je mets un petit host, je reste un petit peu. Voilà. Mais je suis un prince, comment peuvent-ils m'emprisonner dans mon propre royaume? Ça, c'est dommage. C'est très dommage. Vous ne pensez pas que le baron Diaz aimait le pouvoir à ce point? Donc Fuchs, bienvenue. Alors le principe, je torche les 1402 jeux PAL FR sortis sur PS1. À chaque fois que je commence un nouveau jeu, je lance une loterie, ça prend un viewer au hasard et le viewer va choisir le jeu d'après dans la liste qu'il y a en dessous. Tu cliques sur le logo PlayStation Maniac et paf, t'as accès à tous les jeux de l'amour. Voilà. Comme 1385. Ah, il en reste 1385, oui, évidemment. Il en reste moult.
Il en reste moult. Je ne pensais pas que le baron Diaz aimait le pouvoir à ce point. Tiens, la fille, on va lui faire une voix de bonhomme. Sniff, sniff. Je veux voir la princesse Alexia. J'ai adoré le sniff, sniff. Sniff, sniff. Surtout après une bonne session de stream, ouais, carrément. Après une bonne session de stream, bah, moi je fais à manger, je fais des trucs que j'aime bien, quoi. Faire la popote, c'est mon truc à moi. Par ici, imbécile. Come here. Get over here. Vous, je vous parle. Ne me faites pas entrer. Entrez là-dedans, oui. On a vu le premier. On a vu l'appareil du premier, quoi. C'est un peu différent qu'une émunesse, par exemple. Oh, à peine. C'est un peu plus compliqué, mais les émulateurs sont très performants maintenant. Donc, du coup, tu chopes l'ISO du jeu et ça se lance très bien. Il n'y a pas beaucoup de jeux où il y a des soucis. Il n'y a pas beaucoup de jeux où il y a de soucis. Puis maintenant, de toute façon, il y a deux. Tu prends... Moi, j'ai pris deux émulateurs différents. Comme ça, je suis à peu près sûr que s'il y a un jeu qui passe pas sur le premier émulateur, hop, je le mets sur le deuxième. Donc, je crois que je peux quasiment faire 100% du jeu. Et pour les autres, bah, j'y jouerai sur la console. Tant pis. Quel dommage. Quel dommage. Salut, Hots Monkey, bienvenue. Installe-toi confortablement, hein, là. Sweetie, le baron Diaz attend. Oh, cette musique de l'amour. Ainsi vous êtes flint. Je capte avec quoi mes consoles? Je les capte avec un délicieux comment il s'appelle? Elgato Game Capture HD. Ça. Parce que du coup, j'ai une prise HDMI et j'ai une prise AV-in. Tu sais, j'ai les prises S-Video. Donc du coup, avec la prise S-Video, je peux prendre du RGB, je peux prendre du YQV. J'ai même un adaptateur pour la PS3 pour brancher l'HDMI directement dans la S-Video et piner la protection. Tu la pines la protection, t'as compris? Donc du coup, tu peux tout faire. Et il est vachement bien. C'est le dernier, celui-là, c'est le HD machin, je sais pas quoi. Je dis, ouais, celui-là, il est parfait. J'ai demandé conseil quand même, on m'a dit, celui-là, c'est le top. Vous êtes beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais. Oh, le baron Diaz, quel salaud. C'est le boss de fin. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Je me présente, je suis le baron Diaz. HDCP, de quoi HDCP? Flit. A flit. Elle vous dit de courir, c'est mignon, je crois qu'elle tient à vous. C'est fini? Non, c'est pas fini. Je pense pas. Enfin, je dis ça, j'en ai aucune idée. Freeze à phrase. Feu. Ah, la protection HDMI sur PS3, ouais. Ça lui aurait fait mal si elle l'avait pris sur la tête. Écoutez-moi bien. Attention, si vous voulez sauver la princesse, vous allez faire ce que je vous dis. Sauter sur un pied. Cloche-pied. Murph. Murph. Et Murph. Du calme, princesse. Vous voyez cette boule de fer hérissée de piquant? Imaginez les dégâts qu'elle peut poser à sa tête. Oh, ça pique. Il y a moult dialogue, ouais. Juste en dehors de Varuna, se trouve la ville de Guaba. Là, vous rencontrerez un certain Nunuji. Suivez ses instructions ou je lâche cette boule sur la tête de la princesse. Coquine, va. En gros, je vais jouer les larbins. Je suis où, là? Ah, mais il y a peut-être moyen de trouver un magasin. Du coup, RCA pour la PS1, ouais. La même que... Ah non. Non, parce que la 3DO, je peux prendre le S-Video. Mieux. 3DO, mieux. Du coup, elle capture RCA, ouais. Donc à la limite, la PS1, je pense que je la capturerai avec la PS3. Hein.
Les jeux PS5G, je les mettrai dans la PS3. Mon top 3 des jeux PS1. Waouh, c'est tendu ça, c'est tendu. Je regarde un petit peu ce que j'ai là. Alors, si je dois faire un. Je vais essayer de faire un. S'il gère bien, il peut le finir entre 2h et 2h30. Ah, je peux le finir ce soir là. Un top 3. Alors, sans réfléchir, si je dois choisir 3 jeux qui me viennent à la tête là de suite, j'irai Vandalhurst. Vandalhurst, j'ai kiffé ce jeu. Ça m'a. Ridge Racer Type 4. Que j'ai kiffé aussi. Mais bon, là, c'est plus des. C'est plus mon top 3 d'estime, pas mon top 3 de jeu de la folie. C'est vraiment mon top 3 d'estime. Mon top 3 du cœur, là. Ouais, Vandalhurst 1, Ridge Racer Type 4 et Suikoden. Suikoden. Quel jeu, putain, Suikoden, mais quel jeu. Pouah. Je crois qu'on m'avait déjà posé la question et j'avais répondu d'autres jeux, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. En fait, c'est ça qui est bien avec la PS1, c'est que t'as beaucoup de jeux, t'as beaucoup de bons jeux, beaucoup de jeux où t'as des, où t'es sûr d'avoir des super souvenirs. Bon, après, t'as beaucoup de jeux de merde aussi. Je te parle du temps de jeu. Ouais, c'est ce que j'avais compris, Ratchet. Ouais. Grosso modo, il me reste, si je gère bien, je peux le finir dans 2 heures. Dans 2h ou 2h30. Donc grosso modo, là, il reste 2h de stream, je peux le finir ce soir. On va peut-être voter ce soir, peut-être avoir un gagnant. Et Hyperion n'est pas là, enfin le pauvre. Hyperion n'est pas là. Il n'aura pas choisi de jeu avant de partir. Quoique je pense qu'il reviendra. Le connaissant, je suis sûr qu'il trouvera une collection internet. Je prends sa place. Ah putain, je peux pas le jouer aux fléchettes. Je peux pas jouer aux fléchettes. Putain, mais quel déshonneur. Quel déshonneur. Voilà, on va acheter des trucs. On va acheter des trucs. Je vais aller me refaire un petit café aussi. Je vois qu'il est 1h. Donc ça fait 2h de stream. Hop, au bout de 2h de stream, petit kawa. Deux minutes, c'est trop long. Et un bigorneau, vite. Attrapons le bigorneau. Une foule en délire me lance des bigorneaux. Alors attends, on fait n'importe quoi. Maison de Roswell. Ville de Guava. On va aller à la maison de Roswell déjà. Tu as maintenant un bigorneau. Maison de Roswell le sage. Putain. Et je pensais qu'il était plus long que ça quand même. Je pensais qu'il était plus long que ça le jeu. Et qui êtes-vous, que me voulez-vous? Qui êtes-vous, que me voulez-vous? Je suis un homme très occupé, savez-vous. Et si vous n'avez rien à faire ici, hors de ma vue. Ça va, je me casse. Je me casse, sac à merde. Quel enfoiré, quoi. Non, faut que tu fasses point d'exclamation, cut, et plus loin la couleur. Ouais. Bien joué, bien joué. Sweetie, 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 musique de l'amour. Oh putain, Nunuji, quoi. Êtes-vous Flint? Certes, oui, c'est moi. Voici les ordres du baron. Je vois.
Flint exécute les ordres du baron. Je l'ai trouvé un peu court, mais je l'aimais comme jeu. Ah, moi je le kiffe, hein. Les ordres du baron stipulent trouver l'homme à la main crochet. Bonne chance, mon garçon. Ne faites pas attention, le baron. Ne faites pas attendre, le baron est extrêmement impatient. Ah, ben l'homme à la main crochet, c'est le pirate merdique. C'est le pirate merdique. Fruri, fruri, fruri. Prenez cet ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, c'est parti. Vous êtes mort, une mort. Quel étage, monsieur? Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, c'est parti. Je rez-de-chausse, moi, toujours. Mairie de Guava. Ah ben là, voilà. Allez, dites-moi, où est papa? Désolé, je n'en sais rien. Vous ne savez pas? Parfait, où est Albert alors? Désolé, mademoiselle, nous ne surveillons pas tout ce qui passe ici. Vous ne servez à rien. You're fucking useless. Boom. Comment? Tu es encore en vie? Tu as du rat cuir, toi? Eh bien, c'est parfait. Albert est parti chercher une auberge, mais il est introuvable. Bah les coups. Bah les bigorneaux. Je m'en doutais, tu es tout aussi inutile. Scooby-Doo, Scoob, Scoob. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Sacré Scooby-Doo. Musique qui te rentre dans le crâne. Bonjour. On a besoin des dons pour réparer le pont et les routes. Exactement, on a besoin des dons pour réparer... Quel enfoiré, quoi. Pour réparer les ponts et les routes, quoi. Du village. Ouais, l'église donnait beaucoup d'argent à cette ville. On peut même pas causer avec ces crétins. C'est rien qu'une bande de débiles, si vous voulez mon avis. Très bien. Très bien. Quels sont nous? Fuyons. Fuyons. Fuyons moultement. Ah, attends. Voyance. Ah, bah tiens, auberge. Maison de José, boutique d'articles. Ok, très bien. Donc, faut faire le tour. C'est parti. De toute façon, je l'ai partout. Je suis choqué par ce langage. Ce langage fleuri. Sweetie, sweetie. Sweetie, sweetie. Oh! Je crois que je me suis fait avoir. Cette chambre est bien trop petite. Je dois en trouver une autre. Effectivement. C'est bien toi, Flint. J'ai entendu dire que tu avais été capturé par Mephisto. On m'aura mal informé. Excusez-moi, il faut que je trouve une nouvelle chambre pour vous croire. Je vais peut-être essayer chez quelqu'un. Essaye donc, essaye donc. Scooby-Doo. Scooby, Scooby-Doo. Non, je ne dormirai pas. Dormir, c'est mourir un peu. Alors, petite sauvegarde, vite fait. Petite sauvegarde. Je vais en profiter, je vais aller chercher mon petit kawa. Je vais me chercher mon petit kawa. Voilà, comme d'hab, petite pause. 4 minutes de pause. Ça vous laisse le temps de réfléchir, hein. Impec. Comme ça, je vous laisse la musique. Je vous laisse l'exquise musique, attention. Allez, je reviens. Je me speed up. Je me speedote.